werkt. Ik denk een van de hoofdredenen is dat ritme en beweging zo nauw bij elkaar liggen. Dat, er is geen enkel optreden dat we gedaan hebben met de vier drummers waar er niet gedanst werd. En in zekere zin inspireert het ons ook. Als wij beweging zien en we improviseren, dan geeft dat een enorme stimulans om verschillende kanten uit te gaan met de dynamiek. En daarom dit idee. Zijn er dansers bijvoorbeeld die drummen of drummers die beginnen te dansen? Drummers die beginnen te dansen, dat is minder evident, denk ik. De dansers doen wel heel ritmische dingen, ook met hun voeten, met hun lichaam. Dus in zekere zin, op een gegeven moment doen ze ook alsof dat ze drummen. Dus dat is een soort van beweging dat ze ons ritme echt in volgen. Dus. Maar de drummers die dansen, is niet verdrinkt. On a travaillé de différentes façons, c'est-à-dire que bon, certains morceaux, alors les batteurs nous donnaient le rythme, ce qu'ils avaient travaillé, et donc là-dessus, nous, on partait en improvisation, souvent l'improvisation, c'est le départ, et alors là-dessus, ben, on voit ce qui se dégage, des thèmes, ou des mouvements particuliers, des trajectoires, parfois c'est un danseur qui commence tout seul, parce que lui ressent mieux la musique, ou, sur l'instant, on va dire, d'autres accompagnent, alors bon, comme ça, progressivement. Parfois c'est les danseurs, alors nous on part, on improvise sans musique on va dire, et alors ça inspire un certain rythme chez les batteurs, et alors eux-mêmes alors improvisent là-dessus, et donc ça se construit petit à petit comme... Vous avez tous un style différent, d'où venez-vous? Bien, bon, c'est vrai qu'en parlant de style, on peut dire qu'il y en a un peu plus urbain, parce que ça touche un peu plus au breakdance, ou, mais c'est plus des influences que vraiment le breakdance, on va dire. Il y en a qui sont plus un peu contemporains, qui réfléchissent plus oui, sur leur mouvement propre, plutôt justement que d'adhérer de nouveau à un style de mouvement particulier. Et je crois que c'est ça aussi qui fait qu'on s'entend bien et que le projet se mène bien, parce que on a toutes des influences différentes, mais finalement, on travaille tous à partir de ce qu'on est réellement, à partir des mouvements que nous sentons d'abord, et donc finalement, ça se combine bien, quoi, parce qu'on suit un peu une même démarche de proposer ce qu'on ressent d'abord, et puis après de voir comment ça peut se combiner, justement. Deze dansers of met andere media? Zeker, dus met de dansers doen we nu twee voorstellingen in Brussel, eind deze maand. Daarnaast doen we een tournee die eind dit jaar begint, dus in december. Voor andere samenwerkingen hebben we onder andere een project gepland met de VJ's, dus met vier schermen. We hebben ook al met een DJ een project gedaan, dus we gaan niks uit de weg eigenlijk. Elke confrontatie is welkom.